Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment télécharger un document qui est zippé. Donc, par exemple, ici dans la rubrique Direction d'école, vous avez ici un document qui rassemble plusieurs documents qui sont zippés. Donc, nous allons cliquer sur Télécharger et nous allons l'ouvrir. Alors, si vous êtes sous Windows 10, vous avez le choix, soit vous utilisez un outil spécialisé comme 7-Zip. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser tout simplement l'explorateur Windows. Je clique sur OK. J'ai désormais ici l'ensemble des documents qui constituent le dossier, mais attention, ils sont pour l'instant dans une rubrique un dossier temporaire de l'ordinateur. Il va falloir les extraire en utilisant ici les outils dossier compressé. Donc je vais cliquer sur Outils de dossier compressé. Pour cela, je vais tout sélectionner. Je clique sur Outils de dossier compressé, Extraire tout. Ici, je vais cliquer sur Parcourir. Je vais choisir par exemple le bureau. Je vais choisir par exemple un dossier PPMS que j'ai créé auparavant. Sans ça, je clique sur Nouveau dossier pour le renommer. Je sélectionne le dossier et je fais Extraire. Désormais, dans le bureau, vous voyez, dans le dossier PPMS, tous mes dossiers, enfin tous mes fichiers apparaissent. À bientôt pour un autre tuto.